No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever changed for Maryland. Along the state's flood zone. He and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Je vous explique comment ça fonctionne. C'est que maintenant qu'on s'est placé aux coordonnées 29, 58, 30.81, latitude nord, longitude est 31 degrés 8 minutes 15.09 secondes à 32 de, mètres d'élévation, exactement comme on a pour le Sphinx de Giza. On voit ici la flèche où on est. Alors, à ce moment-là, on va placer cette fenêtre-là ici. On a la fenêtre des temps. Le temps importe peu. Ce qui est important, c'est qu'on se retrouve exactement si, à regarder vers l'est. Et ce qu'on fait, c'est qu'on place les constellations qui nous concernent exactement au plein milieu de l'est, exactement en plein centre. Évidemment, la constellation duquel on prétend que cet objet-là nous vient, c'est le Scorpion. On le voit ici, complètement dans le bas. Et on voit ici la queue du scorpion commence ici et la fin de la pince est là. Fait que c'est vraiment très proche du centre. Peut-être l'envoyer un petit peu à gauche de cette façon-là. Donc on est. Ça commence ici. Dans le bas ici. Environ. Et là, on est pas mal centré. Peut-être encore un peu plus. Et ce qu'on voit, c'est que la constellation du scorpion nous apparaît vraiment sous l'écliptique. OK, quand elle arrive dans la journée, à une certaine heure, vraiment sous l'écliptique, c'est vraiment la plus basse qu'on peut voir. Si on clique dans le centre du scorpion, exactement, ici, on a moins 33 degrés. Exactement ce qu'on avait prédit au centre du scorpion. Maintenant, Planète X va passer du Scorpion, on va s'en aller à la Balance. Mais la Balance, voyez-vous, ici, elle n'est pas située en plein centre de l'Est. Donc, on va l'aligner de telle sorte qu'elle se retrouve placée. Vous allez voir que ça va monter. Ça va se rapprocher de l'équateur ou de l'écliptique. L'écliptique étant vraiment représentée par la ligne, la démarcation entre la ligne noire, c'est la l'aspect sombre et l'aspect un peu plus, si vous voulez, clair. Ici, c'est vraiment cette ligne-là qu'on voit. Je peux faire apparaître l'horizon pour que vous voyez plus. C'est vraiment cette ligne d'horizon-là qui est la ligne de l'écliptique. On va faire disparaître pour que vous puissiez voir les constellations. Parce que celles les constellations qui vont nous apparaître sur l'écliptique, évidemment, on ne les verra pas si je fais apparaître, si je rends la Terre non translucide. Donc, on va s'arranger que la Balance soit exactement en plein centre de l'Est. On se rapproche. Et voyez-vous, la Balance se rapproche de l'écliptique dangereusement. On est pas mal au centre. On regarde le nombre de degrés. On est environ à moins 19 degrés dans la Balance. Donc l'objet, quand elle pénètre dans la Balance, au début sera à moins 22 degrés et quand elle quitte la Balance, à moins 16 degrés.
pour être à un milieu de moins 19 degrés. Et on va aller voir la Vierge maintenant, qui est la prochaine. On a le Scorpion, la Balance, la Vierge. On va mettre la Vierge exactement au centre. Regardez comment on va grandir. La Vierge se retrouve exactement au milieu. Je veux dire, le bas-ventre de la Vierge se retrouve exactement à la croisée de l'écliptique, si vous voulez, et de la verticale. Donc, c'est là que l'objet traverse l'écliptique, c'est en plein à cet endroit-là. Et la Bible nous dit que le grand dragon rouge, dans chapitre 12 de l'Apocalypse, un second signe apparaît dans le ciel, un grand dragon rouge qui se tenait devant la femme qui était dans les douleurs de l'enfantement. Donc, le dragon se tient devant la femme dans les douleurs de l'enfantement, prête à dévorer son enfant. Donc, Nibiru pourrait se retrouver ici, en quelque part, et voyez-vous, on nous montre que, dans les cieux, que, effectivement, si le grand sphinx regarde vers l'est, à une certaine heure, bien, on traverse l'écliptique à ce niveau-là, dans la Vierge.